Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver de nouveau pour vous présenter ces rendez-vous axés sur le décryptage de grandes questions d'actualité qui sont marquées par le retard toujours constaté dans la sortie du gouvernement. Aux dernières nouvelles, le président n'est pas du tout content des différentes listes qui lui sont proposées par la première ministre. Le président n'est pas content des latitudes affichées par les sociétaires de l'Union Sacrée qui ont décidé de faire nommer ou d'envoyer les noms de leurs enfants, mais aussi de leur nombre de familles pour être nommés ministres. Une attitude qui n'a pas du tout plu au président de la République, qui a convoqué hier le coordonnateur de l'Union Sacrée, Augustin Kabuya, mais aussi la première ministre, Julius Toulou Kasumuina, pour retravailler les différentes listes déjà en sa possession. À quand la sortie du gouvernement? La question reste suspendue sur toutes les lèvres. On va tenter au cours de cette émission de décrypter ou d'analyser l'attitude des sociétaires de l'Union Sacrée. On va aussi revenir sur les propos du président kényan qui a pratiquement embrassé le discours du Rwanda, selon lequel M23, c'est des Congolais. Il ne s'agit pas ici d'impliquer le Rwanda dans l'insécurité à l'est de la RDC. Qu'est-ce que la RDC ou comment la RDC doit se comporter sur les plans diplomatiques? Quelle approche ou quelle méthodologie diplomatique doit-on appliquer? On en parle dans cette émission. Puis on va aussi faire le point sur les bureaux de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe, président. Jean-Claude Tshilumbaï, premier vice-président. Christophe Mbosso, deuxième vice-président. Jacques Joly, rapporteur. Qu'attendre de ces bureaux définitifs de l'Assemblée nationale? Des questions qui taraudent l'esprit des Congolais. Est-ce que le contrôle parlementaire sera-t-il au rendez-vous, tel que promis par le président Vital Kamerhe? On en parle sur ce plateau avec le porte-parole de la CRD. Il s'appelle Prince Kinana Silumbanza. Bienvenue. Merci, cher Réveil Thomas. J'ai bien prononcé votre nom, je pense. Oui. Prince Kinana Silumbanza. Ça signifie quoi? Prince, déjà, ça signifie que j'élève d'une royauté. Kinana, c'est un grand leader, grand chef du Kasongolunda, dont je suis le descendant. Le grand qui en vous, le qui en vous Inana, qui en vous Panzo, sont très nombreux. Donc, je suis la famille Chefal, Silumbanza, qui veut dire, vous vous souviendrez de moi. Ah bon? Comme le peuple se souviendra de Mbosso, comme il se souviendra de tous ces Congolais d'une classe des dignitaires et hautement élevés qui ont servi cette République avec amour, avec passion, avec dévouement. Comme ils se souviendront de Lumumba, comme nous nous souvenons de Kasavubu, de Simon Kimbangu, les Congo se souviendra d'un jeune qui s'appelait Prince Kinana. C'est Silumbanza qui veut dire, vous vous souviendrez de quoi? Comment se souviendra d'un jeune qui passe son temps à chanter à la gloire de Christophe Mbosso? Vous vous souviendrez d'un jeune qui est venu vous dire qui était Mbosso, qui est venu faire comprendre à ce peuple que Christophe Mbosso n'était pas un simple Congolais. Très bien. Qui a su avoir un passage à vide. Mbosso, c'est comme le livre que je suis en train d'écrire sur lui. C'est un bon homme procurateur, qui veut dire en français, un meilleur gestionnaire. Il est sain dans sa gestion. Ça s'était été dans la gestion cursus honorum de Ousex Machina. Le patrice a vu que son Mbosso Kodamponga fait partie de ces rares de Congolais dont nous devons prendre comme repère. C'est une école, un modèle. Nous devons nous ressourcer de lui, apprendre de lui et marcher dans la clarté. Si tous les gouvernants pouvaient s'inspirer de Mbosso, on aurait dû déjà avoir un pays émergent. Merci beaucoup. Merci. On va parler du blocage dans la sortie ou dans la formation du gouvernement, selon des indiscrétions qui nous parviennent depuis le couloir de la cité de l'OUA. Le président n'est pas du tout d'accord avec l'attitude affichée par les différents présidents des regroupements politiques qui forment l'Union Sacrée, qui ont décidé d'envoyer les noms de leurs membres et des familles, de leurs enfants, pour être nommés ministres au détriment des autres militants de leur parti. Alors, question, pratiquement 6 mois depuis que le président a prêté serment, on a du mal à voir le gouvernement, on a du mal à faire asseoir de manière correcte les institutions de la République. À qui profitent ces retards? À l'opposition, si elle existait. Parce que cette opposition qui est à la morgue devait avoir un discours en ce moment. En quoi ce retard doit profiter à l'opposition? Mais oui, parce que... On parle ici de la gestion du pouvoir, pays. Le pouvoir, on parle de la gestion du pays, mais ce que les gens ne savent pas est que l'opposition
a toujours fait partie du système politique en place ou du régime en place. Exactement. Dans le sens où... Elle n'intervient pas dans la gestion du pays. Dans le sens où elle intervient. À quel niveau? En politique, le pouvoir amène l'alternative. L'opposition est là pour proposer la contre-alternative. Du moment où l'alternative manque, c'est la contre-alternative qui prend le dessus. C'est-à-dire, à ce moment ici, la désordre devait être du côté de l'opposition. Mais il y a été un vide. Mais moi, je dirais que les politiques congolais doivent se dépouiller des critériums établis en politique africaine qui fixent des conditionnalités pour avoir de l'emploi ou pour être dans les circuits du pouvoir. Il faut être de la famille du chef, il faut être un ami du chef ou être quelqu'un qui a toujours dérangé les chefs. Ça nous amène au népotisme, au clanisme, à un tribalisme exaspéré qui nous fait échapper de l'essentiel. Il doit y avoir des critères. Par exemple, en théorie de politique, on vous parle des 5 piliers de la bonne gouvernance, sur lesquels la première ministre, mais aussi le coordonnateur de l'Union sacrée, maintenant comme c'est une plaque tournante, le premier c'était Christian Bosson Kouniaponga, maintenant c'est Augustin Kabouya Tshilombayi, il pouvait mieux se baser sur les critères comme la transparence, la responsabilité, l'obligation de rendre compte de ses actes, la participation et la capacité de répondre aux besoins de la population, c'est-à-dire la méritocratie. Mais aujourd'hui, c'est un constat amer. Quand il s'agit de proposer des noms, on regarde petit, comme les Kinois le disent, petit habitina, qui répondent aux critères ou non, on sait que je lui mets là-bas. Parce qu'il va commencer à me rendre compte. Bon, en fait, c'est moi qui gérerai ces ministères. Je peux vous dire aujourd'hui, parce que selon d'autres langues, les ministères du budget ont posé aussi problème parmi certains. On accuse le président Bahati Lukwe d'être en contradiction avec non. Il n'assure que par par sa nomination au poste des ministres du budget. Et qu'on dirait que l'INC ne voudrait pas céder ses ministères. Mais ça fait 10 ans. Que l'INC a géré ses ministères. Quel est le bilan? Ça fait 10 ans, depuis 2014. Jusqu'à ce jour, le ministère du budget a été géré que par le parti politique INC. L'INC en 2014 n'était pas... Vous rappellerez, lors de concertation nationale avec Eden Kodjo comme... Les concertations avec Kojo avec Kojo et c'est Kangoudia qui a été porté. Kangoudia ne faisait plus partie de l'UNC. Non, avant il avait démissionné de l'UNC, c'était après. Mais Kangoudia a été ministre du budget sous ticket INC. Ça fait pas 10 ans que ce parti ne fait que gérer le budget de l'État. Celui qui était là récemment ici, c'est le beau-frère à l'autorité morale. Boji, avant lui c'était Mayo. Donc nous devons nous dépouiller de cette faiblesse qui nous a toujours tiré vers le bas. On doit passer état. J'ai dit bravo au président Félix Antoine Tshilombo qui ne se laisse pas faire. Il s'est dit j'ai une vision, j'ai un projet, j'ai un programme pour ces grands Congo. Alors, si vous m'amenez des gens qui doivent monter à bord pour piloter ce programme gouvernemental ou ce programme de gestion, par rapport à l'ancienne constitution que nous allons changer bientôt, l'article 91 stipule que la première ministre ou le premier ministre définit en concertation avec ses gouvernements la politique de la nation. Donc vous devez envoyer des gens qui possèdent un acabit, des gens qui ont un niveau. Mais en quoi la nomination des enfants du président des regroupements politiques de l'Union sacrée peuvent déranger la formation du gouvernement? Est-ce que c'est des enfants qui n'ont pas des compétences? Est-ce que c'est des enfants qui n'ont pas été à l'école? Pourquoi la nomination de ces enfants doit constituer un blocage? D'abord, nous ne sommes pas dans une monarchie. Ça sonne mal. Et le peuple en a marre d'entendre toujours le même nom. Ça frustre aussi. Papa a une fonction, maman est suppléante de papa, et le fils veut entrer au gouvernement. Donc ce sont des familles qui nous gèrent, c'est l'oligarchie, ça ne peut pas passer. Du point de vue de bonne mœurs, ça sonne mal. Mais du point de vue d'équité,
quand est-ce que nous aurons une certaine classe politique où même les pauvres, nous autres qui sommes ici de familles manquant de noms, malgré que Kinana c'est un nom connu, Silumbanza, j'ai un père qui fut député national, qui a bien servi ses pays aussi en tant que député, et pas les moindres. Vous rappellerez du crash qu'il y a eu à Kingasani, l'avion qui partait vers Mbujimayi, le député de la majorité qui avait introduit la motion de défiance contre ses ministres, qui fut chassé du gouvernement pour incompétence. Et c'était aussi un ministre près du président de la République. C'était mon père, député national, Bietogoto Masilumbanza. Donc nous devons quand même permettre aussi que les intelligences se fédèrent. Ces étudiants qui font 5 ans, 10 ans dans des universités, quand est-ce qu'ils auront la chance de travailler? Parce que quand vous mettez vos enfants comme ministre, vous prenez vos frères, neveux, les autres proviennent du village sans diplôme, vous les mettez dans des cabinets, les autres vous les mettez au niveau de secrétariat ou dans les ministères, vous leur donnez le numéro matriculé. Donc vous formez un cercle vicieux et le président veut briser cette chaîne très bien maléfique qui a toujours retenu le pays vers le bas. Il y a des principes. Par exemple, moi je me dis que ça ne serait pas le premier gouvernement qui va traîner ses pas. Madame Toulouka a été nommée il y a cela combien de mois déjà? C'est depuis le 1er avril, je pense. Donc, vous rappellerez que mois. Pratiquement 2 mois, ce qui fait 60 jours. Mm-hmm. Il y a aussi le gouvernement Ilunkamba qui a traîné. Ce n'était pas le même contexte. Mais il y a aussi ce contexte d'éviter de frustrer les gens. Vous devez toujours vous rappeler des paroles de Kabuya. Kabuya nous a dit ceci. Le pouvoir connaîtra des zones de turbulence. Alors, on peut éviter ces zones de turbulence. Alors, question. En essayant de bien servir ses partenaires qui se sont mouillés les maillots pour battre campagne et nous avoir cette réélection avec une grande distinction du chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, dont le peuple avait choisi de conserver les acquis. Très bien. Donc, nous devons aussi jouer politiquement dans ces sens-là. Alors, puisque le pays est pratiquement bloqué, est-ce qu'il n'y a pas lieu pour le président de passer à la vitesse supérieure? Je prends par exemple un exemple. Le président peut se dire, bon, ok, pour le quota CRD, on m'a proposé 3 noms, mais ces 3 noms, je ne suis pas convaincu par ces 3 noms. Est-ce que le président ne peut-il pas se dire, je nomme directement par exemple Prince Kinana pour les comptes du quota CRD? Je nomme par exemple au sein de l'AFDC Eric Tshiswaka par exemple pour les comptes du quota de ces partis, plutôt que de s'incliner à chaque moment face aux caprices, face aux humeurs des responsables de ces partis. Pourquoi n'est pas facilité les choses? Ça introduirait une crise de confiance. Comment ça? Parce que vous devez vous rappeler que ces personnalités politiques, pour ce qui pour certains sont autorités morales de leur parti, pour d'autres présidents des partis politiques, ce sont des alliés du chef de l'État. Il n'y a pas de problème, mais le pays doit marcher. Merci. Les alliances en politique peuvent se défaire. Exactement. Ces alliances qui, pour une première dans ces pays, ont été faites sur base d'une idéologie, nous devons quand même d'être fidèles et loyaux envers nos idéaux, envers notre vision, envers nos engagements. Qu'est-ce qui va changer? C'est le quota CRD par exemple. Ça deviendrait la dictature. Non, quelqu'un de son choix. Vous amènerez le chef de l'État à devenir comme si c'était un monarque. Et comment ça? Il doit quand même prendre en compte les aspirations de ses alliés. Mais il a aussi besoin de nommer des gens de confiance. Ces gens ne proviendront pas de la société civile. Il doit être convaincu par le profil des gens qu'il va nommer. Mais oui, voilà pourquoi on a toujours envoyé 3 noms accompagnés des dossiers. Mais c'est la problématique 3 noms commence à nous bloquer. 3 noms, c'est Raoul Mbosso. Non, c'est un exemple. Je dois vous dire ici. C'est un exemple. Merci. Ce n'est pas du concret. Okay. 3 noms, Raoul Mbosso, Junior Mbosso, Blanchard Mbosso par exemple. Alors que le président puisse trancher directement, par exemple, Prince Kinana, au lieu d'attendre encore que Mbosso puisse refaire sa liste. Je sais que vous avez fait de la perception cathartique, impitant Mbosso ce qu'il n'a jamais fait. Le politique dont le népotisme
l'islamisme a atteint un paroxysme exaspéré dans ces pays, c'est Bahati Lukwebo. L'unique politique clanique et familiale. Mbosso n'a jamais été dans la familiarité. Les clans Bahati se retrouvent aujourd'hui presque dans toutes les fonctions étatiques. Et il y a des Bahati qui seront dans le gouvernement. Il y a une Bahati DGA à la Sonaïdrok, Bahati sénatrice. Ils ont fait des études pour travailler. Merci beaucoup. Ils ont fait des études pour travailler, mais vous avez un parti politique ou une formation politique où il y a des gens qui militent plus que même vos enfants. Mais vous semblez encourager cela. Moi, j'ai préconisé. Qui a encouragé cela? Non, je vous ai dit que vous avez fait de la perception cathartique en citant le Mbosso. Mais les autorités. Citez-moi un Mbosso qui a une fonction étatique dans ces pays. Aucun. Ils sont dans leurs affaires privées. Raoul est un entrepreneur. Junior est dans l'armée. Vous vous rappelez lorsque le chef de l'État avait appelé à une mobilisation pour que le jeune intègre dans l'armée. Il y a des langues qui disaient que Batinda Banana Bango. Comme on l'a vu avec Mobutu. Mbosso a un fils qui sert le pays sous les drapeaux. Ça, c'est bien. Encourageable. Aucun de Mbosso n'est ni député. Très bien. Ni conseiller communal. Très bien. Ni ministre, ni DG ou DGA quelque part. Alors, les autorités morales... J'allais dire ceci. Si le chef de l'État se mettait dans cette posture, il doit leur imposer leur choix, il deviendrait un monarque. Ça deviendrait de la dictature. Qui va changer dans les fonctionnements de la société. Ce qui changerait est que... Si le chef décide de nommer... Ce qui changerait est que le chef pourrait s'écarter de la logique des critères, par exemple, de la méritocratie. Parce que ces autorités, pour certains... connaissent leurs membres, la méritocratie, c'est nommer le fils de l'autorité morale. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai condamné cela au début de cette émission. Mais ces autorités morales, lorsqu'ils envoient les gens, ils les envoient à base d'un profil. Je vous donnerai le cas de Christophe Mbosso, les Kuksu Sonorum, ces modèles de la bonne gestion. Qu'on nous donne le vice-ministère de la justice, il a fait appel à la cellule juridique du parti. On dit que le CG m'amène le dossier qu'on voit qui a envoyé comme vice-ministre de la justice. Nos avocats sont venus, on a envoyé 3 noms, et puis c'est un avocat qui a été comme vice-ministre, le maître Tadé Mamboula, que je salue, l'excellence Tadé Mamboula, il est maintenant député national. Donc, il n'est ni de près ni de loin de la famille de Mbosso. Il est de Kassongo-Lunda, Mbosso est de Kenge. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais ceux qui se comportent comme Mbosso sont minoritaires, malheureusement. Dans votre famille politique. C'est comme cela que on doit quand même continuer à faire confiance à ces présidents et à ces secrétaires généraux de ce parti politique pour qu'ils nous envoient des gens qui répondent aux profils et aux critères. Ils abusent maintenant de la service de l'État. Le service du chef n'auront pour mission que de sélectionner parmi les noms envoyés. Mais c'est facile, non? Vous avez me dit que Bahati n'a fait qu'envoyer, par exemple, pour un quota du ministère du budget. Ne faites pas de la question sur Bahati. Ou Caméré, parce que c'est l'un des disciples dans le népotisme au Congo. Caméré ne suissait pas. Nous l'avions vu présenter son fils au chef de l'État, comme pour dire. C'est le premier PC. C'est lui qui prendra la relève dans mon parti. C'est un parti familial et ethnique. Pendant que Kambalé a milité, on ne l'a jamais amené chez les chefs pour lui présenter comme on présente. Il a été au cabinet du chef de l'État. Il a été présenté comme on présenta Christ chez Siméon par Marie. Non. Mais comment il était arrivé là s'il n'a jamais été présenté? Donc, je disais ici que les services doivent aider les chefs. Je ne pense pas qu'ils n'ont fait qu'envoyer les noms de leurs enfants. Il y a aussi des noms, des cadres, de ceux qui répondent aux critériums, de ceux qui doivent nous donner ces principes sacro-saints. En théorie de crime politique, on vous dit, pour avoir un bon gouvernement, vous devez avoir de bons gouvernants. Vous avez des ministres qui ne vous savent pas lire. Vous avez des ministres qui ne vous savent pas établir une note technique. Vous avez des ministres qui ne peuvent même pas se tenir devant la représentation nationale et défendre leur programme. Il y a des ceux-là qui fuient les micros. Il y a des ceux-là qui ne savent même pas répondre aux questions des journalistes. Je me demande à quoi servent le Conseil des ministres. Il y en a eu plus de 100 sous Tshisekedi.
évaluons l'action gouvernementale. Elle a été axée sur combien? Sigdis, il peut avoir combien le gouvernement Sama? Pendant que chaque vendredi, c'était devenu comme une messe où les chefs d'État ne pouvaient pas se reposer, en train de leur dicter sa vision, en train de leur montrer comment aider ce peuple. Mais qu'ont-ils fait? On peut compter à bout des doigts ces ministres qui ont excellé. Je me dis, pour certains, ils n'étaient que des spectateurs au lieu d'être des acteurs. Mais on peut corriger cela. En amont déjà, exactement. En trouvant de bons gouvernants. Comment les trouver? Il y a des principes. Comment les trouver? Parce que le président nous donne l'impression de se soumettre à cette histoire des trois noms et consorts. Mais pourtant, il peut passer à la vitesse supérieure en allant... Là où vous voulez faire de Félix Tshisekedi d'un dictateur, vous serez le premier à venir crier. Non, mais puisqu'il a besoin de réussir son action. En dictateur. Il a besoin de réussir son action. Puisqu'il a besoin de réussir son action. C'est-à-dire qu'il doit s'entourer aussi des intelligents. Il a eu un rapport. Et après ces rapports, il y a des noms qui lui ont été proposés. Il a trouvé en Mme Toulukan Soumina la personne qui incarnerait sa vision et qui va la coucher ses papiers en programme de gouvernance. Et Mme Soumina a eu le temps de consulter et de poser certaines conditionnalités au chef de parti et regroupement politique par rapport au nom qui lui serait envoyé. Mais quant à la dame de pouvoir éplucher, de pouvoir checker, sculpter et former une bonne monture qui va quand même chapeauter cet État. Nous sommes dans un État qui stagne. Est-ce que Mme Toulouka se sent pleinement chef du gouvernement face au blocage devant elle? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? S'il ne se sentait pas chef du gouvernement, elle aurait dû déjà en parler. Parce qu'elle n'est que dans la formation de son gouvernement. Vous me dites qu'elle aussi est bloquée ou elle est contrôlée? Pourquoi ont servi toutes ces consultations des Kabouya, informateurs, en passant par formateurs jusqu'à... Kabouya n'avait comme mission, la première ministre. Il faudrait séparer les consultations menées par l'informateur Augustin Kabouya, Monabou Tchiba, qui est devenu par après formateur. Et qui est devenu aussi formateur. Et séparer aussi les consultations faites par Mme Toulukan Soumina, la première ministre. Kabouya n'avait que pour mission d'identifier la majorité, de savoir Itoma a comme regroupement politique à ACRD, ce n'est pas la vôtre, ce n'est pas les vôtres, pardon, c'est un regroupement de Kesson Bosso Kodiampamba qui a 10 députés, Kinana a comme regroupement politique à AC, un regroupement aussi de Kesson Bosso Kodiampamba qui a aussi 10 députés, vous étonnez, hein? Et aussi Kabouya a un regroupement à AC Barpalou, ce n'est pas de Kabouya, c'est le président, c'est Willy Makiachi que je salue, un regroupement de Christian Bosso qui forme les cartels à ACRD. Donc Kabouya n'avait que pour mission de savoir quel regroupement a combien de députés, de trouver la force numérique de chaque regroupement et parti politique au niveau des chambres de la représentativité et nationale. Les consultations de Mme Toulouka, c'était pour poser des conditionnalités, parler avec le chef de parti politique, leur dire, voici comment nous avions fait la répartition. À ACRD, vous avez dit, 10 députés, vous avez droit à un ministère. À Asebar Palou de Makiasi, vous avez 10 députés, vous avez droit à un ministère. À Abarcé, vous avez 10 députés, vous avez droit à un ministère. À AINC, vous avez autant de députés, vous avez droit à autant de ministères. J'aimerais que vous m'envoyez des gens qui méritent, des gens intègres, des gens loyaux, des gens qui peuvent servir l'État et non vos partis politiques, des gens qui ne vont pas servir leur famille, des gens qui sont capables d'incarner la vision du chef de l'État. C'est à ça qu'ont servi les consultations faites par Mme Justice. Je continue toujours de revenir sur ma question. Puisque le président n'est pas convaincu par ces différentes listes, par ces différents noms, par ces différents profils, est-ce qu'il n'y a pas lieu pour lui de passer à la vitesse supérieure? On a vu Kabila le faire en allant nommer Matata Ponyo comme premier ministre, alors qu'il ne faisait pas partie du PPRD. Et ça n'a, le ciel n'est pas tombé sur nous parce que Kabila avait décidé d'aller nommer un premier ministre qui n'était pas de sa famille politique. Il a d'ailleurs fait de lui-même bien avant ministre des Finances. Mais pourquoi voulez-vous vous accrocher à cette problématique qui bloque le pays? Vous ne devez pas comparer les Kamadata, où vous ne pouvez pas prendre comme modèle de gouvernance dans ces pays. On ne parle pas de la gouvernance Matata. Non, écoutez. On parle du choix. Laissez-moi finir.
le régime Kabila ne peut pas être pris comme jurisprudence. Il n'y a aucune leçon à donner, ni de gestion, ni de démocratie. Le régime Kabila a été caractérisé par une gestion calamiteuse et chaotique qui a amené le pays dans le gouffre. Une gestion calamiteuse à laquelle Christophe Mbosso a participé. Mais avec en assumant quelle fonction? Il était un saint à l'enfer. Mbosso s'est retrouvé en tant que l'unique bon gestionnaire parmi les médiocres. Dans une salle de classe où la cacocratie règne, où l'idiocratie, où l'imbécilité a toujours régné. Ce n'est pas ça le débat. On peut retrouver aussi des élèves brillants. Ce n'est pas ça le débat. Mbosso, c'est cet élève-là que le maître a toujours apprécié pendant qu'il y a de ceux-là qui ne peuvent pas répondre à des questions. Dans le débat, il y a blocage. Le président a besoin des intelligences. Qu'est-ce qui empêcherait au président d'aller détecter lui-même ces intelligences qui vont répondre à sa vision ou à la politique qu'il compte mettre en place? L'objectivité, Le président va violer quelles dispositions légales s'il décidait de procéder de cette manière? Il risquerait de frustrer ses partenaires. Je l'ai dit ici. Mais on a besoin que le pays puisse avancer. Le pays va avancer dans la concorde. Le pays ne pourra jamais avancer si on essayait de l'embraler, si on essayait de frustrer ses partenaires politiques. Et surtout dans le contexte sécuritaire dont nous nous trouvons. On risquerait d'avoir des langas, des mambas qui vont traverser. Ah bon? Oui. Donc vous voulez nous faire comprendre sur ces plateaux qu'au sein de l'Union sacrée, il y a des gens qui ne sont là que pour le pouvoir. Il ne faut pas leur en vouloir. On ne vient pas en politique pour rester spectateur. Kinana, qui est aujourd'hui porte-parole du parti, attend à être nommé comme ministre, attend à être mandataire public quelque part. Au revoir, vos ambitions. On vient pour chercher le pouvoir, on vient pour chercher à occuper des fonctions étatiques et servir, mettre son intelligence au service de la nation. Vous voulez me dire de revoir mes ambitions à la baisse pendant que je suis aux côtés du cursus honorum, celui qui a toujours propulsé ces jeunes. Beaucoup. On va évoluer. Donc, le chef de l'État, moi j'ai dit coup de chapeau parce que il nous a évité ce népotisme et ces clanismes qui a voulu atteindre un paroxysme. À la place, maintenant là, qui est mise en place, ce qui est mis en place, c'est qu'il y a des critères où on vous dit pas d'enfants, pas de neveux, pas d'autorité morale aussi. Pas d'autorité morale. Non, pour certains, il faut comprendre. Parce que si vous refusez que certaines autorités morales n'entrent pas dans le gouvernement, où est-ce que vous allez mettre mon vieux que j'ai beaucoup aimé, Bati Lokwebo? Il partira où? Il est député, il venait aussi d'être élu sénateur. Il peut rester au Sénat, soit à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un problème. Au Sénat en tant que qui? C'est un sénateur, bien évidemment. Un sénateur, mais un allié du chef de l'État, il fait partie du présidium, quelqu'un qui a bâti campagne. Ce n'est pas un problème. Il a assez de pitié à lui. Mais Kabuya a été au présidium de l'Union sacrée comme simple secrétaire général d'un parti. Non. Ça n'a pas empêché Augustin Kabuya de servir le pays. Le contexte, Kabuya a servi le pays en tant que secrétaire général du parti. Il a servi l'UDPS. C'est maintenant qu'il sert le pays en tant que député national. Parce qu'il va légiférer. Vous devez faire le distinguo entre un homme politique et un homme d'État. Un homme d'État, c'est celui qui a des fonctions administratives. C'est celui qui administre les questions de l'État. Kabuya était homme politique, maintenant il est homme d'État parce qu'il prend part à la gestion de la chose publique. Très bien. Alors, Fayoulou aujourd'hui, ce n'est pas un homme d'État, c'est un homme politique. Parce qu'il n'est rien. Il est comme vous et moi. C'est pareil avec Kabuya avant qu'il ne devienne député. Donc, vous n'allez pas envoyer Bahati à une retraite précipitée. Oh. Lui qui a déjà à l'Assemblée nationale ou au Sénat, c'est lui qui a toujours une retraite précipitée. Non, il a encore des choses à donner à la République. C'est quand même un économiste, malgré que. Comme sénateur, il ne va pas apporter quelque chose à la République. C'est quel raisonnement ça, franchement? C'est une autorité. Et un allié de première heure du chef de l'État. Bahati fait partie de ces pionniers de l'Union sacrée. Vous vous rappellerez, lorsque le chef de l'État demanda au gouvernement, à ceux qui décident de quitter les clanismes et la familiarité qui régnait autour de la protection des intérêts de Joseph Kabila dans les fonds communs contre le Congo,
on en appela aux gens de venir lui soutenir. Bah, il faisait partie de ces là. Vous connaissez aussi qu'il n'y a aucune loi qui oblige. Non, il n'y a aucune loi qui oblige les présidents qui obligerait à ce que... Non, le pays a encore besoin de voir que Bahati gérer quand même. Laissez-les être. C'est même qui dans qui besoin de voir Bahati au gouvernement. Moi, je vais le voir. Pas le pays. Je faisais partie de ceux-là qui demandaient même. Merci. Comme il a toujours voulu occuper de poste, on pouvait même le mettre vice-premier ministre des gens, famille, enfants, c'est possible. Pour le chef d'État est champion de masculinité positive. Ça énerve les ministères. Ça énerve comment? Est-ce que ces ministères ne doivent être occupés que par les dames? On va évoluer, il ne faut pas me créer des problèmes. Pourquoi pas? Le chef d'État est en train d'écrire l'histoire. Il a écrit l'histoire en nommant une dame comme première ministre. Il peut aussi écrire l'histoire en nommant un homme comme ministre des enfants, famille, enfants. On va élever cela en rang et en dignité. VP, mais puis on peut les donner aux vieux. Merci beaucoup. Alors, il y a des urgences. Il y a la dépréciation de la monnaie, il y a la flambée des prix sur le marché, il y a le retard dans les paiements des salaires, il y a l'insécurité, il y a l'insalubrité. Et pendant ces temps, nous avons des ministres qui expédient les affaires courantes, des ministres qui disposent d'un pouvoir très limité. Alors face à ces urgences, est-ce qu'il n'est pas impérieux pour le chef de l'État de se précipiter pour nous sortir une équipe gouvernementale qui va répondre à tous ces problèmes? Les hommes politiques congolais oublient qu'il existe des principes sacro-saints auxquels on ne peut jamais échapper lorsque nous sommes en train de gérer un État. Certes, que comme gouvernants, ils ont des missions régaliennes auxquelles ils ne peuvent échapper, mais pour répondre à ces missions régaliennes, nous devons user de certains principes. La sécurité publique comme mission régalienne, la première d'ailleurs, sans sécurité, on ne peut pas parler développement, parce que la sécurité va amener la paix, la quiétude. On vous parle de la tranquillité publique, qui inclut le social. Vous m'avez parlé de la flambée des prix sur les marchés, l'inflation qui bat son plein, la hausse des dollars, les fonctionnaires qui sont impayés, ça entre dans la tranquillité publique. La salubrité publique qui consiste à offrir à un environnement sain et harmonieux pour un développement des Congolais ou des peuples que nous sommes en train de diriger. Mais parmi ces principes, le plus grand de tous, c'est l'efficacité dans l'action de la chose publique. Est-ce que notre gouvernement est-il efficace et efficient? Le chef doit s'atteler à ça. Matata pouvait être un diable parce que c'est le père de la surfacturation. Mais Matata prenait un temps où il était en train d'évaluer ses ministres. Vous vous rappelez de l'évaluation? Il est à côté d'ailleurs. Qu'a-t-il fait Sama? Qu'a-t-il fait le président lui-même qui a promis... Non, le chef de l'État... Qui a promis même d'évaluer le gouverneur des provinces, voilà, l'avenir semestriel, je pense. Voilà pourquoi... Nous demandons à un changement de constitution. Parce que si nous lisons, vous et moi... Donc c'est la constitution qui vous interdit de régler l'inflation de la monnaie. C'est la constitution qui vous empêche de payer à temps les fonctionnaires et agents de l'État. C'est la constitution qui vous empêche d'assainir la ville. Vous m'aviez parlé du problème public qui devrait coûter. C'était sa promesse. Ou sa décision, je ne sais pas. L'article 91 de la constitution que nous allons changer bientôt là. Prenons l'article 91. Le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et en assume la responsabilité. Qui en assume la responsabilité? Le gouvernement. Le gouvernement conduit la politique de la nation. Cet article dédouane le chef de l'État. Le gouvernement est l'émanation du Parlement. Il est investi à base d'un programme qu'il présente à la représentation nationale, qui sont les élus légitimes ou les représentants légitimes de cette population. Donc, c'est au Premier ministre de répondre de la non-efficacité ou de l'efficacité de ses ministres. Ce n'est pas au chef de l'État. Le chef de l'État édicte le principe clé.
il édicte la marche à suivre, le modus operandi au sein du conseil des ministres qui est l'organe décisionnel du gouvernement. Maintenant, c'est au premier ministre de suivre la ligne édictée par les chefs. Ce que vous voulez faire de Tshisekedi dit un dictateur, parce qu'il y a des mots qui, auxquels on doit répondre. Depuis tout ce temps, le président si se mettait à le faire, si se mettait à le faire, vous allez dire que le président de la République est en train de faire ombrage au chef de l'État, au premier ministre, il ne laisse pas la marge de manœuvre, comment va-t-il travailler? Matata avait compris que la responsabilité lui revenait. Il évaluait ses ministres. Donc ça, il n'avait jamais compris. Je ne sais pas, peut-être qu'il ne le savait pas. Oh. Je ne sais pas, peut-être qu'il ne le savait pas. Merci beaucoup, on va évoluer. Il y a le principe d'imputabilité. Ils doivent savoir que pendant que les choses ne marchent pas dans ces pays, les Congolais se souviendront toujours d'eux. Que si notre pays est mal urbanisé, si Kinshasa manque d'un plat urbanistique qui a vieilli, c'est à cause de Pius Mabilou. Si la sécurité des citoyens n'est pas garantie, c'est à cause de Peter Kazadi. Si on n'a pas eu une bonne communication, on n'a pas si relayé les choses, on n'a pas si bien rendre compte, on citera Mouyaya. Et si la défense nationale avait boité, si l'État était incapable de pouvoir sécuriser nos frontières, nous citerons le nom de Bemba. Donc, ils doivent comprendre qu'il y a les principes d'imputabilité. Merci beaucoup. Il y a aussi un autre principe, je vais me limiter par là, la qualité et la célérité dans l'action gouvernementale. Et ne prennent que des décisions et puis qui restent comme ça. L'action gouvernementale doit être faite avec une célérité pour permettre au peuple de se sentir considéré, de se sentir géré. La question de l'économie, Kamere qui a fait un passage fantomique au niveau du ministère de l'économie, le plus médiocre de tous les ministères, de tous les ministres de l'économie que nous avons connu de ce pays s'appelle Vital Kamere Luakaningini. Aucune réforme à mener, aucune prouesse, pas même une note technique, pas même une fiche technique fixant ne fiche que le prix. Il va prendre tout un gouvernement, on les amène en voyage pour amener des maïs qui ne sont jamais venus. Et pendant ce temps, l'Assemblée nationale de Mbosoko a dormi. Pendant ce temps, l'Assemblée nationale... Mais écoutez, le ministre qui était invité, qui défilait au niveau du Parlement là-bas, c'était quoi le défilé des modes? Vous avez évoqué le cas des maïs qui ne sont jamais arrivés au pays. Tout le temps passé par Mbosso à l'Assemblée nationale. Pourquoi n'a-t-il pas eu le courage? Ou pourquoi n'a-t-il pas... L'Assemblée aussi... Pour que les députés puissent D'abord, interpeller Vital. J'ai toujours été contre ceux qui disent que Mbosso n'a pas... Il a été accusé pendant longtemps d'étouffer le contrôle parlementaire. Il a étouffé le contrôle parlementaire. C'est par ignorance peut-être. Parce que l'Assemblée nationale n'a que trois grandes ou principales missions. Là, représenter le peuple, légiférer, mais aussi contrôler l'exécutif. Il a échoué lamentablement dans les contrôles. Non, c'est faux. C'est faux. Le ministre est défilé, même dans des commissions, même dans des sous-commissions. Mais pour quelle finalité? Le cas des maïs aujourd'hui, qui peut le contrôle parlementaire ne se limite pas à convoquer les ministres par motion de défiance ou motion de censure. Il y a des questions d'actualité, il y a des questions orales avec débat, exactement. Il y a des questions écrites. Exactement. N'est-ce pas? Et quand un ministre arrive, il ne vient pas seulement pour être sanctionné. L'Assemblée aussi a pour mission de lui donner des recommandations. Et je vous dirais que Christophe Mbosso en sage. Dans le cas des maïs, c'est une école. Quelles sont les recommandations qui ont été faites? Ce n'est pas la faute du maître. C'est la faute des. S'il a enseigné l'élève et qu'il n'a pas bien assimilé la matière. Ce n'est pas la faute à Mbosso. Dans les cas Fabrice Lucinde, c'est aussi. Ce n'est toujours là pas même la faute. Là même les bébés savent que ce n'est pas Mbosso. Là même les bébés savent que ce n'est pas la faute à Mbosso. Ce n'est pas une faiblesse de l'Assemblée nationale. Sanctionner mandataire. Et un ministre qui est sous contrôle de l'Assemblée permet de les réhabiliter. Des douaniers. Maman Kipenda, non, des douaniers là. Mais qui a réhabilité ces messieurs? Des douaniers, Maman Kipenda, non, la minita de portefeuille, Maman Delcaïnda Maïna.
subi de pression, ne dormait même pas. Des pressions, les pressions venant. Vous voulez que je vous dise tout ici? Allez-y. Mbosso devait, parce que vous savez que hormis le fait qu'il est cursus honorum, hormis le fait qu'il est Deus Ex Machina, le dieu des solutions inattendues, hormis le fait qu'il est meilleur gestionnaire de la République, le bonhomme procurateur, hormis le fait qu'il est il est un saint dans la gestion, Mbosso est devenu le père de la stabilité institutionnelle. Le père de la stabilité institutionnelle sous Tshisekedi s'appelle Christophe Mbosso Koudia. Vous vous rappellerez qu'il y a eu une tempête et qu'on en appela au maître pour apaiser la tempête, laquelle, cette crise institutionnelle qui rôdait entre le Parlement et l'institution présidente de la République, nous amenait par le fils de la perdition, dont Madame Djamila Mabunda. On a terminé l'émission. Il devrait conserver cette stabilité institutionnelle. L'Assemblée a frappé. Le gouvernement devait évoquer, bien sûr, le président de la République qui a nommé Madame Adel Kaïnda, par mesure conservatoire, a suspendu Lucindé. Mais il y a de ceux-là qui ne pensent pas État, qui soufflent à l'oreille du chef, qui ont menti au chef d'ailleurs. Mais aujourd'hui, ils donnent raison à l'Assemblée nationale. Donc les individus plus forts que l'institution parlementaire. Non, je ne vous dis pas que les individus plus forts. J'ai été clair. C'est grave. Il y a de ceux-là, mais chaque régime a toujours eu ses forts. Ce n'est pas un RDC que vous allez le faire, vous avez fait une fixation sur les, ou un fixisme sur la démocratie du Congo sous Tshisekedi. Vous voyez l'Assemblée nationale française décider de destituer un mandataire public et qu'un conseiller de Macron puisse souffler à l'oreille de Macron et que Macron puisse nommer la décision de l'Assemblée nationale. Non, écoutez, il y a eu une mesure conservatoire. On va terminer l'émission. Suspendant le ministre, cette mesure était hors délai. Suspendant le Lucindé, bien sûr. Cette mesure était hors délai et le Lucindé rentra. Merci beaucoup. Allez. Mais le peuple retiendra que l'Assemblée avait fait son travail. Merci beaucoup. Qu'est-ce que les Congolais doivent espérer de cette nouvelle Assemblée nationale? Vital Kamerhe qui a promis un contrôle parlementaire rigoureux. Kamerhe qui a promis aussi de collaborer avec l'IGF pour éviter des cas de détournement et consorts. Qu'est-ce que les Congolais doivent attendre de cette Assemblée nationale? Kamerhe doit se dépouiller de son orgueil. Kamerhe doit se dépouiller de cette malignité, qui ne pense pas que l'Assemblée nationale serait une blanchisserie pour lui, pour se référer une santé au sein de l'opinion. Ce n'est pas à Kamerhe de nous promettre les contrôles parlementaires, parce que le peuple savent, ou le peuple sait, que les contrôles parlementaires fait partie de ces de missions de députés. C'est pour cela qu'ils ont été élus. Mais là, ce n'est pas à Kamerhe de les promettre. Non, écoutez, non, il est en train de se donner beaucoup d'importance. J'étais avec vous, c'était... Le contrôle a toujours été rigoureux. De la théâtralisation. Attendez, non. Non. Qui l'arrête de se faire prévaloir d'une turpitude qui pouvait les rattraper demain ou après-demain? Le président de la République ne répondra plus des erreurs des ministres. Cette fois-ci, un ministre commet une erreur, il va les payer cash à l'Assemblée nationale. Quelle est cette erreur d'un ministre auquel le chef de l'État a répondu? Parce que répondre d'une erreur d'un ministre serait fonction, par exemple, de destituer le chef de l'État. Lorsque l'Assemblée nationale a défait Kalouba, ministre de l'économie. C'était Kamerhe qui envoyait ses députés de faire les contrôles parlementaires. C'est l'orgueil. Mais la question concerne la Il est auteur pour rien. Pourquoi, écoutez. Pourquoi voulez-vous le député travailleur et qui ne pense pas qu'il viendra prendre les députés comme des garçons de course. qui ne pense pas qu'il viendra clochardiser les députés comme il le faisait en 2009. On ne va pas lui laisser les faire. Qui ne pense pas qu'il vient là-bas où il va commencer à se constituer en un tyran ou en un monarque qui décidera seul. Il existe une conférence de présidents, messieurs. Et puis il évoque la question de l'IGF. Qui ne sait pas que dans notre État, les contrôles parlementaires, c'est un contrôle, c'est le dernier niveau de contrôle. L'IGF est en ça, même en dessous même de la Cour des comptes. Travailler avec l'IGF, bien sûr, parce que l'IGF est appelé à rendre compte au sein de l'Assemblée nationale. La Cour des comptes a toujours fait rapport à l'Assemblée nationale.
S'il ne sait pas, nous allons rappeler à Kamere que le rôle du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, c'est assurer la relation entre l'Assemblée nationale et la Cour des comptes. Donc, il veut duper le peuple, se donner de l'importance pour rien. Le remède intérêt a déjà fixé, c'est là. La Cour des comptes a toujours rendu compte à l'Assemblée nationale. Très bien. Ce n'est pas une première. Revenez sur ma question. Kamere va amener, vous allez me dire, Kamere va faire. Il ne va rien faire. Ma question était celle de savoir. S'il continue à se comporter comme ça, mais c'est quoi votre le député ne veut pas lui laisser l'état parce que lui pense, non, que comme je suis à l'Assemblée nationale, personne nous allons oublier le procès 100 jours, nous allons oublier le fiasco au ministère de l'économie. Ma question de nous allons oublier les 100 vaches qu'il avait données à James Kabarebe. Nous allons oublier ma question les engins de Bukangalonzo qui sont portés disparus. Que les Congolais puissent attendre. Nous allons oublier. National. Répondez à ma question. L'émission est pratiquement terminée. Que les Congolais puissent attendre quoi de cette nouvelle Assemblée nationale? Les Congolais ont voté des députés nationaux qui vont travailler pour aider les chefs de l'État à implémenter sa vision. Très bien. Ce bureau définitif a une particularité, c'est que la sagesse trône au sein du bureau. Comme toujours. Maintenant, il y a un sage qui reste pour montrer la voie, pour éviter que les élèves s'égarent. Christophe Mbosonko Diabouanga. Qui sont ces élèves dans ces bureaux? Je vous rappellerai qu'en 1993, si je ne m'abuse. C'est du passé. Kamere était conseiller politique de Christophe Mbosonko Diabouanga. Oui, cette fois-ci, Kamere qui est le chef de Christophe Mbosonko. Il n'est pas chef, il est président. Mbosonko ne va pas commencer à porter son sac. En termes de préséance. Il ne va pas porter son sac, les missions sont. Bien, tout comme aussi quand Mbosonko n'avait jamais transporté son sac en étant conseiller. Il était conseiller, on pouvait lui donner, lui dire, faites-moi une note technique qu'il a amenée avec des fautes d'orthographe, on lui montra comment travailler. Donc, nous allons travailler dans la cohésion, nous allons travailler dans l'harmonie. Merci beaucoup. Parce que le peuple attend de nous des résultats. Mais, nous allons demander à Kamere d'éviter de se donner plus d'importance. C'est un bureau. Ils sont à 7. On n'aura pas un fixisme sur lui. On apprend même qu'il a refusé de s'installer dans les bureaux qui étaient occupés par son prédécesseur. Il a jugé bon de regagner non, il a dit, son bureau de. Il a dit pour des raisons nostalgiques. De 2006. Bon, il est libre. Il pouvait même bien dire que je n'aurai pas un bureau pas du peuple, j'aurai un bureau au niveau de la résidence parlementaire. Il est libre. Très bien. Allez. Comme Jean-Claude Chilumbay a pris le bureau de Christophe Mbosonko Diabouanga. Maintenant, Mbosso se retrouve au premier niveau, il prend les bureaux réservés pour le premier vice, mais là, c'est les deuxième vice. Ce n'est pas les bureaux qui comptent. Très bien. C'est l'intelligence qu'ils mettront au sein de la République. Il doit savoir que quand on travaille à côté du maître, je vais rappeler à Kamere la légende d'Icar. Ces textes que nous étudiâmes au collège, je ne sais pas si Kamere a fait le collège comme nous, la légende d'Icar. Un père pris de la cire. Il prend les ailes, il le met, il vola. Le fils dit, papa, je vais voler comme vous. Il va lui édicter les règles ou les lois. Il lui dit, ne vole pas plus haut que le soleil, de peur que la cire s'effondre et que tu sois précipité dans l'abîme. Ne vole pas aussi plus bas que le courant de la mer, de peur que tu sois attiré. Ça vaut un conseil pour Kamere. Merci beaucoup. On va terminer. La légende d'Icar. Lui, c'est Icar. Mbosso, c'est cette légende, le père. Votre commentaire en 2 minutes sur le propos du président kenyan, William Ruto, qui nous dit qu'au cours d'une réunion, il a pratiquement embrassé les propos de Kagame qui nous révélait que Félix Tshisekedi avait avoué que le M23 c'était des Congolais et que depuis lors, l'affaire ne concernait plus les Rwandais. Est-ce qu'à ces jours, on peut toujours considérer le Kenya comme partenaire de la RDC? Est-ce qu'on peut toujours croire en la sincérité de la France, mais aussi des États-Unis dans leur rapport avec le Rwanda au regard de l'évolution des choses actuellement? C'est une insulte diplomatique
ça prouve qu'il y a des ceux-là qui étaient des alliés, mais qui se transforment en ennemis. Voilà pourquoi l'on demande aux Congolais d'être épris du patriotisme et du nationalisme. L'article 63 est clair. Tout Congolais a les droits et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Voilà pourquoi les gens comme les Nanga, les Mamba doivent être pendus. Ce sont eux qui vident de toute substance l'implication du Rwanda au sein du M23. Le président kenyan, quand il voit la présence des Mamba et des Nanga, d'Adam Saloué et les autres, aux côtés de tous ces supplétifs, de toutes ces marionnettes et de tous ces, ces poltrons de Kagame. Il faut rappeler aussi que l'AFC a vu le jour chez lui au Kenya. Mais c'est ça! Quel a été le but du recrutement des Nanga par Kagame et par le président kenyan? C'était de faire du M23 un problème congolo-congolais. C'est clair. C'est ça le discours. Donc Nanga est allé congoliser les M23. Lorsque le chef était en train de le dire, personne ne le croyait. Ça nous rattrape aujourd'hui. Ça vient mettre à mal tous les efforts diplomatiques consentis par Tshisekedi au prix du sommeil. Comme on le dit dans Esaïe, pour l'amour du pays, je ne m'intéresserai point, je prendrai point de repos. Tshisekedi ne se repose pas, les pauvres. Il se bat pour cette nation. Mais c'est Nanga, c'est Mamba et les autres qui sont recrutés comme des pantins à cause de miettes pour aller congoliser les M23. C'est de la haute trahison. Très bien. Mais moi, je ne condamnerai pas le président kenyan. Je condamnerai ces Congolais de basse classe. Merci beaucoup. Qui partent rejoindre Kagame pour venir dissimuler cette agression rwandaise. Le pays est agressé. L'implication du Rwanda est prouvée, même par les organismes internationaux. Ce n'est pas un discours vain vidé, mais qui peut qu'avoir un peu de substance du président kenyan qui viendra remettre en cause les déclarations du Parlement européen, qui viendra mettre en cause le rapport des Nations Unies, le rapport du Conseil de sécurité, le rapport de ces journalistes qui mènent des investigations, ou qui viendra mettre en cause cette conscience collective, même des enfants, qui savent que c'est Kagame et le Rwanda qui a toujours agressé la République démocratique du Congo. Point. Merci beaucoup, Prince Kinana. Merci, cher Hervé Itoma. Ben Kaembe, te salue. Il te suit depuis ici. Je les salue aussi, mon ami. notre ami de lutte. Exactement. Très bien, les chouchous des filles. Ça ne finit, mesdames et messieurs. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe technique. Comme d'habitude, on se retrouve demain pour continuer ce travail. Au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Merci.